salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Borderlands Bliss Sequel, toujours en compagnie de Jay-Z. Salut. Et on va tout de suite continuer en faisant déjà les quêtes secondaires de la plaine de Triton, celle du foie de Triton, et on fait la quête principale. Toujours faire les quêtes secondaires avant, toujours. Comme ça, au moins on a le niveau. Et là vous vous plaindrez pas que je fais pas les quêtes secondaires en hors vidéo. Ce que j'ai fait en vidéo. Voyez. En couleur virus, redéployer, monter. Alors, on se sépare pour les caisses d'armes. Ouais. Je viens de mourir encore une fois. C'est n'importe quoi, bordel. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que nous, oui, on enchaîne depuis 5 heures déjà. Un peu beaucoup de gigas de vidéos, mais bon. C'est pas grave. On passe par le pont déjà, on fait pas le fou. J'ai failli faire le fou en passant à côté du pont. Bah oula. Je vais sur celui-là de gauche, toi tu fais celui-là de droite. Ah ouais, on les prend automatiquement, ok. Non, il faut juste que tu passes sur le véhicule des bandits. Comment la caisse elle est attirée vers ton véhicule, c'est n'importe quoi. Elle tourne. C'est bon, je les ai tous, ça. Hein. Pousseur explosif de la justice. Merci, chasseur de l'arche. Tu peux les rapporter au centre des dons. J'ai encore des caisses des armes pour toi en plus. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es fait exploser. Très bien. Je vais laisser un low life. Hein. J'arrivais pas à le tuer. Mon arme. Ah, c'est là. Soigner avec de l'oxygène, voilà. Activer la zone déjà. Ouais, ça te remet les balles. Et mon personnage dit arrête d'essayer de m'aider. Grâce à ton aide pour équiper nos soldats, ils partiront au combat avec une vigueur renouvelée. Voilà. Voilà, 15 armes. Si t'en as à donner, hein. L'armée de libération des peuples se renforce avec chaque nouvelle arme. Ah, je suis sûr à 20 il y aurait eu un truc, mais c'est pas grave. Alors là on va faire là. Ah j'en avais pas. Voilà. On va les avoir en allant faire le zap 2.0 au foie de Stanton. Je sais pas où c'est sur la map, c'est... D'accord, c'est là-haut. Comme une grimpe quoi. Saute cyclatrap. Ouais, et ça roule. Est-ce qu'il arrive à monter les escaliers? Oui, grande nouveauté. Que dans le 1, dans le 2, il savait pas faire ça. Encore cette zone. What? Ah, le laser modifié encore une fois. Ah ouais, maintenant c'est un gel. C'est le moment d'y aller. C'est quoi des torques? On les a pas vus tout à l'heure. Si? Si, je crois. Un peu comme des racks. Ouais. Je crois que c'est ça. Je vais essayer de voir pour l'arme. Parce que là, je suis niveau 250. Peut-être que c'est possible maintenant. Je sais pas. Bon,
Pour l'instant, essayez quand même d'en dégommer avec l'arme. Ouais. Ah, c'est pas ça en tout cas. Je vais chercher vite fait. Bientôt up pour ma part. Ouais, moi aussi. Voilà, par là. Oh, mort. Je peux toujours pas. Ça doit être 500 ou 1000, je sais pas. Oh, ah non. T'as besoin d'aide ou pas? Non, ça va. Ok. Moi je vais à la zone la plus loin. Je vais à la zone la plus loin, toi tu vas la plus proche. La plus proche c'est celle-là, la plus loin c'est où? C'est normal, c'est normal. Je me fais enchaîner par des. Attends que tu meurs pas complètement, ça va. Voilà mon sbire, c'est. Allez, cours. Jamais tu vois des armes blanches, hein, gars. Pour l'œil. Ouais. Pour la quête là. Ah oui, c'est les petits trucs comme ça là. Ah oui, ça le truc là, les trucs pas si mignons que ça là. Sur la quête qu'on avait. Si, c'est ça. Ouais. Tu devrais pouvoir geler la plupart des créatures et des gens en leur infligeant suffisamment de dégâts de glace d'un coup. Ensuite, un bon coup sur le crâne et boum, en 1000 morceaux. Tu peux essayer si t'es d'humeur. Voilà. Approche-toi et cogne ce torque pour le faire exploser. Faut que tu sois plus rapide, sinon il va se dégeler. Réessaye, faut pas te refroidir. Brisons la glace. C'est comme ça que t'exploses des trucs. Oh, fais-moi le malin, le torque. Qu'est-ce qui me crache le torque? Perso j'en ai plus. Ah j'ai le reste, t'inquiète. Moi je suis dans une grotte donc aïe. De la merde. Tu
chasseur de l'arche. Voilà. Viens me voir, j'ai encore une super idée aussi constructive que destructive. Et puis, il faut que je te dédommage pour ton aide dans mes expériences. What? Bon, je vais juste chercher plus loin. Ah, je trouve un passage. Ok. Ça fait trop de dégâts ce truc. L'arme modifiée là. Moi pour l'instant, moi je suis plus rapide que toi. Coucou. Je suis déjà là-bas. C'est parce que moi je défonce des pillards. Donc là on va faire la quête principale de la zone d'avant. Et ensuite on va aller dra celle-là à Corodia. Enfin. Cocondia. Concordia. Concordia. Bah. Pas sinon. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le retenir. Voilà. Et voilà. On a quand même déjà 20% des succès hein. C'est pas rien. 20% ouais putain. Le défi qui va être le plus chiant, c'est tous les défis niveau 1, au moins. Ouais, c'est... Voilà, on peut venir. Et là, on va débloquer une... Enfin, je vais déposer une arme déjà. Je sais pas si j'en ai... Ah, je peux pas avoir mon sac. Je sais pas où je passe. Je passe déjà par ce... Ah là, c'est même pas un pont, tu veux que je raconte. Bizarre, ça a tremblé, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est par là-bas. Et c'est trop OP les roquettes en fait, parce qu'elles sont auto-guidées là où tu me dis. Bah, t'as vu les petites roquettes là, ouais. Qui font de la glace. Je vais aller juste valider ça vite fait. Regarde si t'en as dans ton inventaire. Grâce à ton aide pour équiper nos soldats, ils partiront au combat avec une vigueur. Certains de nos membres les plus jeunes se considèrent comme des guerriers. Maintenant qu'ils peuvent manier des armes ayant appartenu à un chasseur de l'arche. Ils se sont mis en tête d'attaquer un groupe de pillards du coin. Tu pourrais voir comment ils s'en sortent et les protéger. Je t'ai envoyé leurs coordonnées. J'arrive. Voilà, faire aussi ça. Cette machine tombe en pièces. Ah ouais, elle a plus beaucoup de vie. Que je rush pour qu'elle récupère. C'est un. Non, c'est pas un brutal, lui, ça va. On peut monter. Hop. Voilà. Ça c'est lui. Ça je pense que c'est la quête la plus longue du jeu. Parce que pour avoir 50 armes, faut le faire. Sont fait massacrer. Est-ce qu'ils n'auraient pris que les armes bas de gamme? Tout le monde sait qu'elles ne valent pas mieux que des bâtons. Sans vouloir t'offenser, hein. En parlant de ça, ce serait vraiment aimable à toi de reprendre leurs armes aux bandits et de venger dans le sang la mort de nos camarades. Allez, on va tout récupérer. C'était peut-être un peu extrême. Il y a un ennemi derrière. Je suis invincible. Ah, lunatique brutal, la première fois que je le vois. Ton fusil à pompe si t'en as un.
J'en ai un. J'ai une régène de porc avec le truc activé. On peut accéder. Passer par une zone par ici. Je rappelle. Ah oui, c'est si je rappelle de la zone. Ouais, on est passé une fois. Ça. La fin de la griffe. Je vais garder quand même le bouclier, je sais pas si ça marchera. Oh, j'ai un bug. Ah, tant mieux. Vengeance bien qu'horrible. Aussi procurer une certaine satisfaction. Viens nous rapporter les armes, s'il te plaît. Ok. On va lui rapporter les armes. Un défi ? C'est mignon d'appeler ça comme ça. C'est mignon. Y'a plus rapide, hein. Tu fais ça et puis c'est bon. Allez, ciao. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, merde. Un coffre dalle. Oh, un lance-roquette. Nice. Voilà. Voilà. J'ai débloqué. T'as pas d'arme blanche? Je crois pas, non. Merci, chasseur de l'arche. Ah non, mais non, j'apprécie j'en ai grandement ton soutien indéfectible. J'en ai pas non plus, non. Donc, on va faire la mission intelligence à persuasion artificielle. C'est le gros bordel. Allez, ah, je crois savoir c'est quoi le Stingray. C'est le sort de jet que t'avais dit là. Le véhicule volant. Ah oui. Je crois que c'est ça. Ah merde, je suis descendu en retard. Ah, de toute façon, c'est là. Ah, je crois que c'est là. Hein. Ah, c'est à l'intérieur. Je peux pas en fait. Non, je crois qu'on peut ressortir, ça, non. Ah, t'as trouvé? Non. À gauche. Ah mais non, c'est pas par là du tout. Ouais, je passe quand même comme ça. C'est bon, j'y suis. Ouais, c'est l'endroit que je pensais finalement. Enfin, je crois. Ah non. Ah non, c'est ça, merde. J'ai oublié cette porte. Le code c'est le 8008. Me demande pas comment je sais ça. Au moins il y a du courant. Ah, il y a un truc qui me pousse là. Dégage. En tombe, Dal a intégré les modifications de Moxie sur son modèle de production. Même s'il jure que c'est pas vrai. Les dégâts du sniper.
prêt. Bon, tu... Lâché, oui. Nice. YOLO. Bon, okay. Parfait. Et j'ai réussi à pirater leur système pour copier un plan tout neuf. Comme ça, t'auras accès au Stingray où que tu sois. Maintenant, grouille-toi d'aller voir Pickle. Enfin, prends le temps de voir ce que la machine a dans le ventre d'abord. Ah, c'est pour faire un saut, ça, j'imagine. Il y a un succès, c'est l'écraser, je crois. Écraser quelqu'un. Tu l'as eu? Non. Avec le saut? Je crois. C'est quoi les deux commandes pour F et quoi? F et C normalement, mais... Ah non, même pas ça. Je vais aller voir ça sur le côté. Je sais pas si on peut revenir... Non, je vais juste regarder dans les options, clavier souris, signature des touches. Merde. Action s'accroupir. Sauter barre d'espace. Compétence d'action, ouais, F, ramasser sortir. Chute, flûte, j'ai oublié. J'ai oublié. J'essaye dans ce cas-là, j'essaye de. Non, ça c'est le T. Tant mieux, comme ça je peux respawn et en avoir un nouveau. Vas-y. Non, il y a juste le klaxon quoi. Oula, c'est quoi ça? Quoi? Ah, c'est à la tête chercheuse. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai bien écrasé. J'ai écrasé, enfin, écrasé un ami en Stingray. Bon, je reviens vite fait. Petite ellipse. Me revoici, désolé pour cette petite ellipse. Bon, je verrai pour le succès plus tard. On va tout de suite se rendre à la suite de la quête. Canyon des terres éloignées. Sur un Stingray, tu peux franchir ce gouffre énorme sans problème, ou presque. Voilà. Bien. J'ai prévenu Pickle de ton arrivée. Tu peux y aller. Voilà, wow, chance. Regardez où vous allez. Outlands. Chasseur de l'Arche. Ici le colonel Zarpedon de la Légion. Merde. Oubliée. Elpis ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines. Je mourrai dans l'explosion comme tous les habitants d'Elpis et la plupart de ceux de Pandore. J'ai pu t'admirer au combat et je respecte tes compétences. Si tu acceptes de partir maintenant, je t'enverrai un vaisseau interstellaire. Nous ne te suivrons pas. Prends 5 minutes pour y réfléchir. Ça aurait valu le coup? Pourquoi t'as refusé? Vous nous prenez pour qui? Les méchants qui se frisent la moustache en riant très fort? Jack nous a embauchés pour tuer des méchants, être payés et aider les gens. Exactement comme toi. Si tu dis qu'on se ressemble, attention, je te tue sur place. Konnichiwa, les petits amis. Ça vous dit une petite chance de bunker et boutard? Ah. Pas maintenant, Tina. Ah oui, pardon. On parle sérieux. Désolé. Sacré Tina. J'arrive. Donc j'ai coupé la zone. Elle est où la mission, là, actuellement? Il y a une mission qu'on peut prendre, elle est où? Elle est là-bas. Tu peux pas aller la chercher? Alors, je vais aller la chercher. Ah, j'ai trouvé un joyeux swagger.
Je suis en train de le tuer. Là, je viens de tuer Joyeux Swagger. Donc, t'as pas trouvé de. Tu vas pas chercher la quête? T'es là? Allô? Jay-Z? Jay-Z? Il a bugué, on dirait. Alors c'est moi qui ai bugué? Non, c'est lui. Petite ellipse jusqu'à ce que je vois que c'est. Petite ellipse. Ouais, Roy, il avait juste désactivé son micro. je comprenais pas. Donc tu vas pas chercher la quête? Bon, je vais la chercher, là je suis mort donc. Ça sera fait. Parce que j'avais un petit souci avec. Ok. Un petit frère. Ah, d'accord. Alors. Calmez-vous bien, soldats, et maintenant retourne leur courir la vie. Prudence, entrez dans le vide. La quête est où? Faut retourner en arrière pour chercher la quête. Ouais, je vais la chercher. Mute. Je reviens tout de suite. Ok, pendant ce temps-là, je vais chercher la quête. Allez, on va chercher la quête. Là. Ah, flûte, un cuirassé. Ah, il est mort. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est ce truc là qui me fait sauter. What, c'est quoi ça? Hallucinatique total. Ok. Re, désolé. Oh, c'est pas grave. Ouais. T'as quitté la partie. Ouais, je sais. J'ai eu. Bizarre ça. Bizarre, bizarre. Les serveurs sont peut-être pas encore très stables. Exactement où c'est. D'accord. Faut arrêter de me tirer dessus, ouais, ils sont malades. Tu peux abuser tout, blam. Sur le sol. Trop facile. J'ai réussi à l'avoir. Du quand t'es là, hein. Ouais, je crache. Encore? Oh, c'est la première fois qu'il crache. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le passage. On va faire la quête annexe d'abord. Ça va, ouais, être j'arrive. Complètement épique. Y'a des gens qui écriront des chansons sur ça. Ah, what, c'est qui ce mec? Mais ça ne lui servira à rien s'il n'arrive pas à trouver un ballon. C'est l'heure. J'ai l'intention de réussir le plus épique de tous les slam dunks de l'histoire. Dunks Watson. Mon ballon porte-bonheur. Tu pourrais m'aider? Bah, trouver le ballon, c'est une blague. Soude-moi. Niveau 2. Niveau de pure
Brutasserie 233. Pah. Mais ça se fait au niveau des niveau de brutasserie, d'accord, j'étais pas prêt. Je vais chercher le ballon. Le ballon? Oui, le ballon. Tu veux, tu peux me rejoindre, hein. Au cas où on trouve quelque chose. J'arrive. Ah, il est là le ballon. Je crois que les balles du chasseur de l'arche mettent une sacrée pression sur la tronche de ce sale type. Voilà. C'est le jeu qui veut ça, tu sais. Faut y aller à fond, tout donner et prendre ce qui t'est dit. Oh, mais non, pas ça. Le chasseur de l'arche a trouvé ton ballon, Dunks. Excellent. Beau travail d'équipe. Le mec s'appelle Dunks. Dunks Watson. Ça doit être le truc le plus nul du ouais. De toutes les compétences. Que ça peut être. Ah non, moi ça sert à rien. Moi ça sert à rien. Parce que je peux, je peux le parler avec mon bouclier. On rigole plus. Ah ouais, bah, moi, ça me, moi ça me sert. On va voir s'il peut monter assez haut pour réussir ce que les scientifiques ont qualifié de marrant. Slam dunk ultime de l'apocalypse. Oh, what? C'est parti. Il va s'éclater, je sens. C'est l'heure du basketball. What? Dunks Watson a sauté tellement haut qu'il est sorti du champ de pesanteur d'Elpis. Un vrai jour de gloire pour le basketball, mais aussi pour l'univers. Ok. Débarre. Je sais pas, attends un petit peu en fait. Nous a quitté et... Fantastique! Pas besoin de ballon, contente-toi de sauter et de retomber avec violence sur ce cercle pour réussir le dunk le plus héroïquement épique de l'histoire. Et si tu pouvais faire ça en proie aux... Et je ne veux voir qu'une seule ah d'accord. Personne attends. Sur le terrain. Mon jeu a recraché. La gloire de ce moment est livrée en emballage individuel. Ah, c'est un... C'est un clin d'œil à Space Sam, le film. À quoi? À Space Sam. Je connais pas. Ouais, c'est un film marrant. Ah, je me suis fail. Ah bah, t'as vraiment pas de chance, toi. Dans ce temps-là, moi, je fais ça. Ah non, je sais pas. Je fais cette quête annexe. Genre, mon écran s'est figé. Et... Ah ok, d'accord. Je vais mourir, non, bordel, non, putain, chier. La mort, c'est juste pour te foutre encore plus la rage. Mais non. Faut que je la fasse cette quête. Ah. C'est comme ça pour avoir. Enfin, je me faisais cramer pour un objectif, mais maintenant j'ai plus de baril incendié, c'est chiant. Allez, putain, mais c'est pourquoi ça gèle autant, c'est chiant. Ah, c'est une nouvelle marque de fusil à pompe, ça, le SCAV. Sur le jeu. Avant, ça y était pas. SCAV. Avant, ouais. Et avant, le Maliwan, c'était du coup c'était du en rafale. Maintenant, il est plus en rafale, je crois. Parce que là, j'ai un Maliwan, mais il est pas en rafale. Waouh, quel terrain de basket. Non, je m'en occupe. Un défi. C'est mignon d'appeler ça comme ça. Magnifique dunk d'Athéna qui explose le cercle. Cet instant voilà. Magique n'a pas fini de nous faire vibrer. Sérieusement, reviens ici pour ton interview d'après-match. Athéna, c'était tout simplement le plus beau moment de basket que j'ai jamais vu. Quel est ton secret? C'est une question d'effort, je crois. Il faut s'entraîner et travailler dur. Nawak. J'ai passé des journées entières sur le terrain, à rien lâcher.
Et ça a fini par payer. Des paroles sages de la part de l'athlète le plus incommensurable de sa génération. Reviens me voir quand tu voudras. Eh ben... What? Slam. Dans ma tête. Je vois ce que ça fait avec Claptrap. C'était parce que c'était une quête que ça marchait, mais là ça marche plus. Ouais. En fait, alors le mec a sauté sur ça, mais il est sorti de l'atmosphère, donc. De la zone de gravité. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait quand même un peu long la vidéo là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette fin, qui est assez marrante, vous a plu. Moi j'ai bien aimé. Donc, c'était The Dead pour HTTPN HD, toujours en compagnie de Jay-Z. Ouais, à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.